Bonjour à toutes et à tous, je suis Chobiti, on est toujours en live sur Cat Quest 3 avec plein de gens. Coucou Glentaril notamment, coucou Zikino. On continue un peu notre petite découverte. Donc j'ai un peu changé mon équipement. Sens anti-horaire. Sens anti-horaire. Je peux les attraper? Non, je peux pas les attraper. Il va me falloir mon bateau, j'imagine. Pour ça. Wok. Il y a des buissons qui bougent. Ils sont suspects. Allez. Hop. Coucou bateau. On a un petit peu aidé le vieux pirate. Alors, sens anti-horaire. Vais-je y arriver avec mon super bateau? Sens anti-horaire. Je suis trop loin. Est-ce que je peux... Ouais, je peux pas vraiment tourner sur moi. Ok, c'est chronométré. Et je suis une cacahuète. Ok, une quiche. Ah, ok, bon, j'en ai fait la moitié. On recommence. Donc on a dit j'en ai fait la moitié. Celle-ci d'abord. Peut-être essayer d'arriver de manière un peu plus intelligente. Genre... Vu que c'est guidé, quand même. Ah, trop près. Ah, trop près. Ok, l'idée est pas mal, je pense. Je maîtrise pas encore assez bien mon bateau. Énigme. Ok, ça a augmenté. Ouh, ça a augmenté notre bourse magique de niveau 7. Ah ouais. Alors, le vieux pêcheur. Si tu crois que je vais te remercier, tu peux te gratter. Alors lâche-moi, tu veux. Bougon et ingrat. La totale. Petit plaisantin, hein. Vous deux, vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu dans le temps. Bon, voilà ce qu'on va faire. Si vous me donnez un coup de patte, vous aurez droit à mon trésor personnel. Vous voyez ce poisson, Chaba? Je voudrais que vous l'attrapiez. Il suffit de conduire le poisson-chat de ce côté jusqu'au filet là-bas. Merci beaucoup, Aminou, pour le petit... petit message, hein. je suis très contente de bien me débrouiller. Vous suivez ou ça devient trop télo pour des piouates? Allez, mouchaillon, va lui clouer le museau. Ouais! Il faut mon bateau, là, je pense. Ouais! Allons clouer le museau à ce vieux piouate. Bah non, c'est pas un piouate, c'est un pêcheur. Allez! Alors. Mais il bouge pas du trou! Bouge du trou! Allez, bouge du trou! Je vais quand même pas te taper dessus! T'es qu'un poisson! Allez, le poisson! Dégage! Dans le filet! Ah, il est gentil, il va tout seul! Non, j'ai rien pour attirer le poisson.
Ouah, j'ai attrapé le poisson, trop fort. Pas mal. Vous pouvez prendre ce coffre en récompense. Il y aura pas dans ces trésors personnels, le grincheux. Vous avez attrapé un pauvre poisson et vous croyez que ça mérite un trésor? La jeunesse de nos jours, ça marche pas comme ça. D'abord, vous allez devoir attraper tous les poissons-chats légendaires. Tous? On les appelait les quatre panthères des mers. Mon fils rêvait de tous les attraper. Faites ça pour moi et mon trésor pourrait vous revenir. Quoi? Il nous suffit d'explorer les Caraïbes pour attraper les quatre panthères des mers? C'est comme si ton trésor était entre nos mains, papy! Déjà, allons voir ce trésor-là. Ouais, t'as un super chapeau mâchouillé. Est-ce que je peux aller là? Est-ce que la frontière est une vraie frontière? Non, je peux pas passer là. Ah, je peux pas passer là, je suis pas assez forte. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire genre par là? Qu'est-ce que c'est cette île? Est-ce que j'ai encore été? Une Chabor, mais qui es-tu? Je suis Charon Noshima. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Mais bien sûr, si t'es vraiment Charon, alors où est ta barque? Charon n'a pas besoin de barque pour transporter les morts. À la place, j'utilise cette tour. Voici la tour de l'infini. Passage vers le pur grattoir. Tiens, d'ailleurs, à ce propos. Tes collègues cachaient quelque chose tout en haut de la tour. Il se fait appeler quêteur, je crois. Quêteur polaroïde. Polarité. Enfin, un truc comme ça. Mais vous ne pouvez y entrer qu'avec la clé de l'infini. Désolé. Tiens, quêteur, cachez quelque chose dans cette tour. C'est qu'elle doit renfermer un indice sur le trésor de l'étoile polaire. Il faudrait qu'on cherche cette fameuse clé de l'infini. C'est surtout Charon, comme le Charon de la mythologie. Celui qui emmène les morts sur sa barque. À travers le fleuve dont je me souviens absolument plus du nom. Le Styx. On me souffle à l'oreillette que c'est le Styx. Voilà. J'ai combien en thunes? Voilà, merci Glenn Taril, c'est tout à fait ça, le Styx. J'ai combien en thunes? En thune, ça va. En cristaux, c'est pas ouf pour pouvoir améliorer. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? Bah, plein de choses. Coucou, Galden! Ah, putain, je regarde le chat et je me prends les mines. Ah, mon bateau! C'est malin! Mon bateau est mort! Ils m'ont tué mon bateau! Bateau! Mon bateau! Alors c'est ouvert, c'est ouvert. Chez Gelden, c'est 4 quests 3! En tout cas, c'est une preview, puisque le vrai 4 Quest, j'en sors le jour de la journée internationale des chats, le 8 août. Donc, dans un petit moment. Vu comment ça m'en fait mal, je me suis soignée, on va aller voir un petit peu. Leur repère!
Oh my god. Je crois bien qu'on est arrivé au repère des pirates de glace. Des mages qui ont la réputation de l'avoir de la glace à la place du cœur. La bonne nouvelle, c'est que la magie du feu est notre allié. Pas vrai, Mouchette? Ok, la magie du feu. Genre celle-là? Ouais, non. Je suis pas encore assez forte. C'est un peu ce que je pensais. Hein. Ok, je vais me re-soigner. Et on reviendra quand on sera un petit peu plus fort. Quand on aura pu améliorer nos sorts, je pense que ça sera une bonne idée. Je peux pas traverser ici. Alors, on a dit, on fait attention aux mines, parce que mon bateau, il aime pas les mines. Non mais... À quel moment les sangliers, ça attaque mon bateau? C'est mon bateau! On a chopé une défense de sanglier. Oh, merci infiniment, brave Jean! Comment ça, brave? On est des pirates! T'as intérêt à mieux nous remercier! Ah, vous voulez sûrement une récompense? J'ai pas grand-chose, mais chez où se cache un formidable trésor! Comme le trésor de l'étoile polaire, tu veux dire? Ça ne se voit pas! Mais il y a quelque chose de caché ici! Je vous jure! Ah, toi tu le savais, Glentarin, que les sangliers mangeaient les bateaux. Non, mais moi je savais pas, hein, je... Hop! Oh, une chaussure minable! Chapris! Ce chat du gain a pas dit qu'il devait y avoir un trésor? Les déjections de l'un font les trésors de l'autre! Comme je dis toujours! Mais j'en connais un autre, rassurez-vous! Mon papy disait toujours qu'il y avait un trésor quelque part là-bas. Là où il y a tous ces palmiers et ces étoiles de mer. Qu'est-ce qu'il manigance? Allons voir. Des gants minables. Ils sont tellement minables que c'est des handicaps en fait qu'ils ont. Le sale petit menteur, c'est tout sauf un trésor. Le chat du guet va devoir s'expliquer. C'est bon, je sais ce que vous cherchez. Allez au centre du lac de Corail, au sud-est d'ici. Mais je décline toute responsabilité sur ce que vous y trouverez. Le lac de Corail, au sud-est d'ici. Alors, le sud-est. Est-ce que je peux pas traverser? Genre... Ah, le lac de Corail est là. Tu crois vraiment? J'ai les moustaches qui frétillent. Bah oui. Allons-y. Soyons feu. Que le grand cric me croque. Mais où sommes-nous? Coucou Charon. Peut-être que le trésor est dans cette tour lugubre là-bas. D'après Charon, il nous faut la clé de l'infini, Mouchaillon. Je sais pas ce que c'est, encore moins où elle se trouve, mais je sais qu'on va pas y arriver, qu'on va y arriver. Genre, ça m'a juste au TP là. Juste, je m'attendais à une arnaque en fait. Il
n'y ait pas plus d'arnaque que ça. C'est comme une arnaque, mais... Alors, vous êtes revenu de la tour de l'infini, à ce que je vois. Mon papy m'a toujours dit qu'une partie de l'étoile polaire était dans cette tour. Mais bon, on n'en sait rien. Vous savez, quand mon papy était encore de ce monde, il me racontait toutes ses chasses au trésor. Mais à l'époque, j'étais beaucoup trop pétocha pour l'accompagner. Et puis, quand je vous ai vu à la chasse au trésor, ça m'a rappelé mon grand-père. Merci. Oh... Il aurait voulu que vous trouviez ce trésor. Un trésor, c'est pas de l'or ou des bijoux. C'est ce que ton cœur désire vraiment. C'est ce que mon papy disait toujours. Ton papy avait la tête sur les épaules. Et comment il n'a jamais cessé de poursuivre ses rêves? Peut-être qu'un jour je quitterai cette tour de guet pour partir aussi à la chasse au trésor. Ça plairait bien à papy, je suis sûre. Enfin bref... Bonne chance à vous deux, j'espère que les eaux des Charaïbes vous seront clémentes. Cool, un trésor. Oh, un home de chevalier, ouais. Alors. Ouais, il est pas mal. Je perds un petit peu en attaque, mais... J'ai la classe. Un pétochat, un chat qui a les pétoches, bien sûr. Oh, oh machin. Ah, ça charge vite, ces sangliers. Non mais... Hasard ! Oui, c'est un chapeau ça, tu vois bien que c'est un home. Ah ! J'avais pas vu que la défense de sanglier était pas si mal. Ah, moi j'aime bien. Bah, je suis un pirate, hein. Il faut quand même que ça ressemble à un chapeau de pirate. La plage de la charrière. Ok, ici ça dit quoi? Suivez la plage. Une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles, cinq étoiles. C'est à quatre étoiles et demi que j'ai caché mon trésor. Ok, quatre étoiles et demi. Une étoile. Deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles. Vous trouvez quelque chose enfoui sur le sol. Mais si c'est un home, un pichet de lait. Si on rapporte chat, on aura peut-être droit à une récompense. Et les pichets de lait, on le sait. Ça va à Mama Milcha. On va aller voir tout de suite Mama Milka. Mais il y a un trésor là. Comment ça, il y a un trésor? Comment j'ai pu laisser des trésors à des endroits? Rends-moi mon bateau. J'en profite pour casser ça. Les indices sont pas trop complexes, ça. Ouais, mais quand même, hein, faut de la réflexion. Alors. Donnons le pichet à Mama Milka. Est-ce que c'est mon pichet de lait? Ça alors? Où est-ce que vous l'avez trouvé? Je l'ai perdu il y a des années. C'est le tout premier pichet de lait que j'ai servi dans cette taverne. Ah, c'était moi contre le reste du monde. Et avec ce pichet, je me disais que tout irait pour le mieux.
Il n'a peut-être l'air de rien, mais ce pichet a une place toute particulière dans mon cœur. Merci de me l'avoir rapporté. Tenez, c'est pour vous. Oh non, il est vide, le pichet de lait. C'est un pichet de lait. Un pichet à lait. C'est bizarre, j'ai le cœur tout chaud et léger. Tu te rappelles où on a trouvé ça, non? On a même eu droit à un indice pour nous guider sur place. Je sens comme un truc bizarre, rien à voir avec le lait. Oh, un bouclier! Oh! Capitaine pirate de glace. Peut-être qu'on arrivera à la voir. Rien d'autre à nous dire. Merci encore de m'avoir rapporté mon pichet de lait. Je peux vous demander un autre service? Je voudrais que vous terrassiez. Statue-le! Ce monstre m'a tout pris. Et comme pour le lait tourné, il est temps de mettre fin à son existence. Mais ce que tu nous demandes, c'est impenchable. Sûrement. Mais un quêteur a peut-être une chance. Je ne t'avais encore rien demandé. Fais-le pour moi. Chatulu. Ni plus ni moins, quoi. Est-ce que j'ai assez... Ah non, j'ai que ce temps. Je peux pas aller améliorer mes sorts. Oui, on est déjà passé par la forge de Michou et par... l'os magique. T'as que ça à nous dire? Oui, il faut que je suive les machins. Je suis d'accord. Bon, décidément, ces trucs-là, ça nous donne des indices un peu trop faciles, on va presque dire. Par contre, on va quand même aller voir un peu, parce que j'ai de l'argent, donc je peux peut-être quand même améliorer des trucs. Genre, imaginons, je veux faire passer mon home de chevalier niveau 5. Bah vas-y. Bah ouais, vas-y, allez. J'ai de la thune. J'ai de la thune. On va augmenter un petit peu. Je vais juste regarder, moi, je suis level combien, hein, histoire de... d'avoir quelque chose de cohérent. Je suis level 11. Ah, je suis level 11. J'ai pas fait gaffe. Je peux donc équiper un deuxième accessoire. Ah bah oui, j'ai équipé automatiquement la défense de sanglier. Plus ou moins automatiquement, on va dire. Puisque je l'ai regardé tout à l'heure et que j'ai pas du tout tilté que je l'avais chopé. Ça voudrait dire... Ah. Par exemple, pareil, si je veux améliorer mon armure, et que je dis par exemple, je veux tout de suite payer pour qu'elle soit level 8, aïe 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 la thune... Du coup, j'ai fait level 9. Bête bisou, Gelden! A plus! Ok. Oui, c'est mes griffes que je devrais améliorer. Mais en fait, je sais pas si je veux les garder, mes griffes, en fait. Oui, on va au moins les améliorer. Un petit peu. Voilà. J'ai suffisamment de thunes. Des petites pierres.
pièces, des petites pièces, donnez-moi des petites pièces. Alors, je vais reprendre le bateau. Et je me demande si on n'irait pas quand même un petit coup de faire les méchants du pirate de glace. Même si on a vu qu'on n'était pas hyper fort. Parce que... j'ai eu zéro réflexe. Ok, j'ai eu zéro réflexe. Mais c'est pas grave. Rechargeons. Il est mort. Je vais peut-être quand même attendre un petit peu, d'être un peu plus fort. Ici, on peut pas traverser. Je vais me prendre là. Ouais, je vais me prendre là. Aïe! Alors. Il y a les sangliers ici. Il a l'air quand même un peu gros, celui-là. Oh, il y en a des tout petits. Je suis pas allée dans le château. Alors, parce qu'on est allé sur la plage et on s'est arrêté. On s'est arrêté après avoir trouvé le pot de Mama Mika. On dirait qu'une bande de pirates est retranchée ici. Alors, c'est qu'il y a un trésor. Alors, c'est parti. Ok, je peux monter. Je suis au premier étage. J'ai des morceaux de fromage partout. Coffre. Ah. Porte de droite, porte de gauche. Porte de gauche. Je devrais pouvoir descendre de toute façon. Zippy vous deux. C'est le roi pirate qui vous envoie, je parie. S'il croit qu'on va lui payer son tribut, il peut toujours courir. On a pillé le trésor bien comme il faut, il est à nous. C'est donc, c'est pas le roi pirate qui nous envoie. Mais j'ai bien entendu, vous avez dit trésor. Et c'est ça qui vous intéresse, hein? Bah oui. Si c'est comme ça, le roi des chantes. Ah, il a fermé la porte. Aïe. Bon, il y a encore des petits bugs, j'ai remarqué. Notamment le fait que parfois je bouge et que ça ne bouge pas. Parce que par exemple j'ai eu une vibration au niveau de la manette. Aïe! Après, on va pas se mentir, hein. Je suis nul et j'aime ça. J'adore ce jeu. On a looté une sacoche de bombes. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors c'est ma manette qui commence à vieillir, hein. C'est pas impossible non plus. Des fois j'ai l'impression d'avoir demandé d'esquiver et que je n'ai rien qui esquiver. Piou !
libérer un trésor quelque part. Quelque part ici. Ben, quelque part ici. Le roi pirate vous remercie d'avoir balayé cette perfide racaille. Fais chat pour lui. En récompense, vous pouvez m'avoir ce trésor. Quoi ? Vu ce qu'on sent, qui contient, on s'en bat les ha ha ha. En fait, le patron vous attendra au trésor de l'étoile polaire. Vous n'avez qu'à suivre les guides stellaires. Oui, tout à fait, c'est un petit fantôme. C'est mon petit conseiller qui papote avec moi, qui est censé être mon guide. Le roi pirate veut aussi qu'on trouve le trésor de l'étoile polaire. Le petit fantôme s'appelle du coup le capitaine Chapeauté. Ça m'évite de parler tout seul. Hein. Une miaoutrailleuse. Un trésor 2 sur 3. Il me manque un trésor. Il est où mon dernier trésor? J'ai loupé un trésor. Ah non, mais j'y retourne. Je peux tomber dans le trou? Non. Où sont mes trésors? Où sont mes trésors? On va tomber dans le trou. Je peux pas aller là. Ici, il n'y avait pas d'autres trésors. Non, là c'est vraiment du décor, je peux pas. Peut-être y aura-t-il quelque chose d'autre. On pourra revenir. Bah, ou là tout simplement. J'ai pas pris là. Si j'ai pris là. Ça me ramène à l'entrée. Bah tant pis, j'aurai pas le donjon en entier. Quelle tristesse. Le concert de Miaoutalicha. Je veux aller au concert de Miaoutalicha. Mais je ne peux pas. On va donc prendre mon bateau. Ouf, non, on va pas prendre notre bateau. On va aller... Ah, je peux pas passer, là. Arnaque. On va aller essayer de se faire ce gros sanglier. J'ai pas de quoi... Non, j'ai que 100 cristaux, donc je ne peux pas améliorer. Ah oui, bonne idée, j'aurais pu prendre la miaoutrailleuse. La miaoutrailleuse. Ah oui, il fait 14. J'aurais même pu l'améliorer en fait. Alors, la miaoutrailleuse. Esquive. Esquive. Ah, j'ai plus. Danger, Coco veut pas me soigner. Méchant Coco. Ah oui. Oui, toi copain, je suis d'accord. Je voulais pas te taper, je voulais me soigner. J'imagine qu'il s'est soigné. Full life lui. Ok, il s'est soigné full life.
finalement, je vais prendre mon bateau. Et je vais lui taper dessus avec mon bateau, non mais... Bateau. Bon, il fait mal à mon bateau aussi, hein, on va pas se mentir. Mais c'est quand même mon bateau qui gagne. Eh bien, tout simplement cette preview, puisque l'objectif était de tuer le roi sanglier. Bien évidemment, je le rappelle, ce n'est qu'une preview. Et donc, eh bien, le jeu va encore mûrir, va encore s'étoffer. Et bien évidemment, le contenu, eh ben, lui, il va augmenter. J'espère que ça vous a plu. Je vais consulter le signe pour qu'on fasse un petit raid. Mais avant tout ça, je veux remercier tous ceux qui ont regardé en VOD, en live. Et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces. On aime ça. N'hésitez pas à précommander le jeu, comme je le disais au tout début. Il est déjà disponible en précommande avec une petite réduction jusqu'à la sortie, qui sera le 8 août. Bye bye!